cet après-midi, on a vu un peu tout le vocabulaire, ses différentes fonctionnalités, l'article, la page, catégorie, back-office, etc. L'idée maintenant, en fait, c'est que vous puissiez mettre tout ça en pratique. Moi, j'avais déjà un site. Ouais. Donc, vous avez un emplacement, a priori, pour le menu. Oui, qui est là, ouais, exactement. Donc, c'est l'idée qu'il y a une rubrique, et puis quand on va cliquer dessus, il y a une sous-rubrique qui va apparaître. L'objectif du cours de compétences numériques, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences qui leur permettront d'avoir une certaine agilité numérique dans les rédactions où ils seront amenés à travailler, tout en gardant aussi, c'est l'une des missions à l'AJM, un recul et un regard critique sur les technologies à l'heure aujourd'hui dans le journalisme. Est-ce qu'il faut lier la page Oui, il faut indiquer dans la page, en fait, il faut indiquer dans le menu que vous voulez appeler une page. Ouais. Ah, alors elle n'apparaît pas parce que vous n'avez aucun article encore dans cette catégorie. Ah, donc j'en crée un directement. Exactement. Mais si ensuite vous en avez 2, 3, 4, ils se mettront les uns en dessous des autres, en fait. Ok, parfait. Ah, c'est comme ça Mais on peut faire de belles choses, même avec un simple question.